Échauffement vocal rapide et efficace. On va voir ça tout de suite. Ça y est, c'est le jour, c'est la vidéo. Tout le monde me le demande sur Instagram, tout le monde me le demande sur les vidéos YouTube, en commentaire, par mail, par message. Donc, c'est aujourd'hui. Moi, c'est Antoine, je suis ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter et à s'éclater avec leur voix. Et on va voir aujourd'hui cet exercice. Juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, tu seras informé à chaque fois que je suis en live. Je fais beaucoup de surprises en live, j'offre beaucoup de cadeaux en live et je réponds directement à tes questions. Donc, ce sera l'occasion pour toi de pouvoir échanger avec moi en direct et d'avoir des réponses aux questions que tu te poses. Alors, un échauffement, donc on a dit pour la voix efficace et rapide. Alors, efficace, ça veut dire quoi? Il faut bien que tu te rendes compte que il y a plein d'exercices, il y a plein de profs de chant, tout le monde donne plein d'exercices. Mais si l'exercice que je vais te donner là, par exemple, ne fonctionne pas bien pour toi ou si tu trouves que tu n'as pas de modification après, eh bien, laisse tomber. À ce moment-là, ne garde pas cet exercice, mets-le à la poubelle. Moi, ça ne me dérangera pas du tout. Donc, efficace, il faut vraiment qu'après avoir fait deux ou trois fois l'exercice, tu sentes vraiment un changement dans ta voix quand tu chantes, vraiment une amélioration, tu sens que ça t'a fait du bien, ta voix elle sort plus facilement, plus librement. Ça, c'est vraiment important, donc j'insiste l'efficacité de l'exercice. Ensuite, rapide. Alors, pourquoi un exercice rapide? Parce que tu peux très bien avoir oublié de t'échauffer, par exemple. Tu vas à un concert, tu chantes, tu es prise dans le stress, tu as les préparatifs, quelle tenue je vais mettre, il faut que j'arrive à l'heure, il y a les réglages, il y a les balances et tu n'as pas eu le temps de t'échauffer. Ou alors, tu es à la chorale, tout le monde discute et puis tout d'un coup, il y a un changement de programme, vite, 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 c'est maintenant, c'est à vous. Et mince, je n'ai pas 20 minutes, une demi-heure pour m'échauffer tranquillement. Donc, du coup, voilà pourquoi il nous faut un exercice du coup rapide. Donc, on va passer à cet exercice. Juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, comme ça, ils pourront faire l'exercice avec nous. Alors, c'est parti. Cet exercice, il va donc être en plusieurs parties. Je t'explique les trois bouts et comme ça, tu pourras l'enchaîner en une fois. Première partie de l'exercice, c'est le brrr, les trilles de lèvres. Alors, les trilles de lèvres, comment on fait ça? On pousse un petit peu d'air en fermant la bouche de manière à faire vibrer comme ça nos lèvres. Ça va nous garantir, si tu veux, qu'il y a suffisamment de flux d'air qui sort, ni trop peu, ni trop, ni trop peu. Alors, donc là, je souffle. Tu vois que je tiens là, la commissure des lèvres, ça peut aider, on n'est pas obligé. Et je vais rajouter ma voix. Donc, si tu n'arrives pas à faire ça, mets en pause la vidéo et travaille déjà un petit peu tes trilles de lèvres. La deuxième séquence de l'exercice, ça sera de faire, tu sais, le fameux exercice du moustique où on fait le zzzz. Et quand on fait ce moustique, c'est important que tu entendes le petit sifflement comme ça du S. Parce que ça, ça nous prouve qu'il y a toujours de l'air qui sort. Alors, il y en aura un petit peu moins que pendant le brrr, mais on a du coup comme ça deux vitesses d'air. Troisième partie de l'exercice, ça sera juste de faire un A, un bête A, un A tout simple, un A où tu laisses tomber ta mâchoire et tu dis A. Tu vois, je ne fais pas comme ça, c'est pas un A bouche fermée. Je laisse tomber ma mâchoire, vraiment je relâche, je détends les muscles de la mâchoire et je fais A. Du coup, si j'enchaîne ça, ça va me faire. Donc, je commence avec ma trille de lèvres, mon moustique, mon A. On essaye encore une fois ensemble. Alors, évidemment, cet exercice, tu peux le faire sur des petites notes aussi. Tu peux faire. Ensuite, le moustique. Ensuite, le A. Et moi, j'ai une petite technique secrète, c'est que j'enchaîne tout. Donc, je vais faire. Et quand je fais ça, je ne sais pas si tu l'as entendu là, mais là, ma voix est sortie très librement, très facilement. Il y a vraiment beaucoup de son quand on fait cet exercice. Alors, cet exercice, il est vraiment
enfin pour moi primordial parce qu'il a, il a des effets, enfin dans les 9 cas sur 10, ça fonctionne du tonnerre. C'est pour ça que c'est un exercice que je donne également aux professionnels à faire avant de monter sur scène. Maintenant, si tu veux que je t'aide à faire cet exercice, je te l'ai enregistré. D'accord ? C'est mon petit cadeau. J'ai enregistré comme ça cette petite séquence d'échauffement. Tu vas pouvoir la récupérer gratuitement en cliquant dans le lien qui est dans la description. Donc, tu vas voir, on t'a mis un lien. Tu cliques dessus, tu laisses ton prénom, ton adresse mail. Alors attention, ne mets pas une vieille adresse mail bidon parce que sinon, mon mail il va partir dans les spams. Tu ne vas pas le recevoir. Bref, tu n'auras pas accès à l'exercice. C'est dommage. Là, cet exercice il a vraiment une belle valeur. C'est ce que je donne aux artistes pros avec qui je travaille pour s'entraîner, pour s'échauffer juste avant de monter sur scène. Donc, ne passe pas à côté de ça. Je ne vais pas t'envoyer que ça. Dans les jours qui suivent, je vais t'envoyer mon guide sur la respiration, je vais t'envoyer une formation, je vais t'envoyer plein de choses. Donc voilà, c'est une bonne occasion en ce moment pour toi d'en profiter. Donc, tu vas retrouver le lien dans la description si tu veux recevoir tout ça. Et sinon, eh ben moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao !